Porque yo te digo la verdad, me parece un excelente escritor. Creo que él compró un discurso y se pasó de rosca. Como también, mira, no te digo que le pase lo mismo que a La Nata, porque ya tampoco está en esa sintonía, pero son de los tipos que se pasaron de rosca. Es decir, en el enemistamiento con el kirchnerismo, se pasaron de rosca. Hacer el juego a la derecha es atacar fundamentalmente al gobierno más de izquierda que tuvo el país, que es el kirchnerismo. Esto le va a molestar a toda la izquierda, pero esta es la verdad de la milanesa. ¿Qué querés que te diga la verdad? Yo ya no soy. Esta es la verdad de la milanesa. Compañeros, en pie nosotros, que yo les juro que cuando llegue el peligro, cuando la orden de batalla haya que darla, yo no me voy a quedar en mi biblioteca. Imaginaba ver una Argentina con la intensidad de estos años, con tanta discusión, tanta expectativa de construir un país diferente al que vivimos en las últimas décadas. La verdad que, bueno, que haya una fiesta en la calle a fin de año es parte de lo que está pasando en el país. Porque creo que se han equivocado de lugar, están con aquellos que hicieron pedazos este país. Yo lo conozco hace muchos años a Martín Caparrós, me parece que se coloca en un lugar que termina siendo funcional a la derecha. Uno puede plantear críticas, miradas diferentes, está buena la crítica desde la izquierda, pero también reconocer que algo medular, importante, muy, muy potente pasó en la Argentina desde el 2003, solo por ver a Blaquier procesado, a Jaime Smart preso con cadena perpetua, a los genocidas en prisión, solo por eso valió la pena, ¿no? Se la pierden. Que no me echen culpas, solo te enseñé a besar en puntas de pie. Debajo del abrigo, tus ojos son míos, mi barco navega en tu playa. Ventanas cerradas te cubren del sol, sos la única flor de la casa. Te arrojas del árbol aún verde por mí, tan solo me queda reír. Que mueran de envidia al verme pasear por tu pueblo, prendido a tu mano. Que muerdan sus lenguas si quieren hablar de nosotros. No existe el pecado. No oigas a nadie que no soy tan cruel y ni se te ocurra crecer. Su pragmatismo a apoyar a quienes promulgan una ley antiterrorista, a quienes matan gente en las manifestaciones, a quienes hacen leyes para que los despidos sean más fáciles, a quienes apoyan a la Barrigol, a Walmart, a Monsanto. Cuando todo eso forma parte de tu pragmatismo,
no tenés más remedio que burlarte de los que no aceptan todo eso. Si terminás creyéndote eso, vas a tener una política equivocada, que hay que tener realmente cierta cara dura para burlarse de quienes no transan con toda esa porquería con la que están transando, con perdón. Hay que tener cierta cara dura para burlarse de los que no transan cuando no están transando. Président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux. J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père, lui, les flics, les curés et puis les militaires. Les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi. Dès qu'il peut en bouffer, le vieil anard, il se gêne pas. Le vieil anard, il se gêne pas. Alors il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi, c'est con, je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas, je suis là avec des potes, des écolos marrants, on a une vieille bicoque, on la retape tranquillement. On fait pousser des chèvres, on fabrique des bijoux, on peut pas dire qu'on se crève, le travail c'est pas pour nous. On a des plantations pas énormes, 3 hectares, d'une herbe qui rend moins con, non c'est pas du Ricard, non c'est pas du Ricard. Je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs. Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux. Je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs. J'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois dans une caserne infâme avec des plus cons que moi. J'aime pas recevoir des ordres, j'aime pas me lever tôt, j'aime pas étrangler le borgne plus souvent qu'il ne faut, plus souvent qu'il ne faut. Surtout ce qui me déplaît, c'est que j'aime pas la guerre. Et qui c'est qui l'a fait? Ben, c'est les militaires. Ils sont nuls, ils sont moches, et puis ils sont teigneux. Maintenant, je vais dire pourquoi je veux jamais être comme eux. Quand les Russes, les Ricains font péter la planète, moi, j'aurai l'air malin avec ma bicyclette. Mon pantalon trop court, mon fusil, mon calot, ma ration de topinambour et ma ligne Maginot. Et ma ligne Maginot. Gonfle pas, ni moi, ni tous mes potes. Je serai jamais soldat, j'aime pas les bruits de bottes. T'as plus qu'à pas t'en faire et construire tranquillos tes centrales nucléaires, tes sous-marins craignos. Et va pas t'imaginer, monsieur le président, que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau. De la terre et de l'eau. Pour finir ma bafouille, je voulais te dire simplement que ce soir on fait des nouilles. À la ferme c'est le panard, si tu veux viens bouffer. On fumera un pétard et on pourra causer. On fumera un pétard et on pourra causer.